Rogue Legacy est un jeu d'action orienté vers l'aventure en 2D qui nous fait affronter de nombreux ennemis dans des donjons créés aléatoirement par l'intelligence artificielle. Ce qui est assez particulier, c'est que chaque fois que l'on meurt, on incarne un descendant de notre lignée qui possède ses propres attributs. Il faut s'habituer à incarner un grand nombre de héros, car on meurt très souvent dans Rogue Legacy. En fait, ça fait partie intégrante de la mécanique de jeu. Chaque fois que l'on entre dans le château, on doit tenter de rester en vie le plus longtemps possible et d'amasser le plus grand montant d'argent. Cet argent, si durement acquis, servira à améliorer les habiletés de notre personnage et son équipement, ce qui rendra notre héros encore plus puissant et du même coup nous permettra de rester en vie plus longtemps pour pouvoir explorer davantage les donjons. Quand on est dans la peau d'un nouveau héros, on doit tirer profit de ses forces et faire avec ses faiblesses. Ces dernières peuvent être de posséder moins de points de vie ou avoir des problèmes de vision comme la myopie ou le daltonisme. Ces différents attributs, mélangés avec les donjons générés aléatoirement, font qu'il n'est jamais ennuyant d'explorer le château, puisque tout change pratiquement à chacune de nos visites. Il sera aussi possible de trouver des coffres au trésor qui contiendront des objets spéciaux qui pourront améliorer les différentes pièces de notre équipement. Combinés aux diverses habiletés qu'on peut acheter avec l'argent amassé, on se retrouve avec un jeu qui nous donne beaucoup de liberté au niveau de la personnalisation de notre héros. Si le jeu peut sembler très difficile au tout début, c'est en partie parce qu'il l'est vraiment. On meurt souvent et ça pourrait en frustrer plus d'un. Mais quand on se met dans la tête que l'on va mourir souvent et que chaque visite dans le château fera progresser notre personnage, on prend une approche différente des autres jeux habituels où l'on meurt que très rarement. De plus, chaque fois que l'on meurt, c'est pratiquement toujours de notre faute. La mécanique de jeu est très précise, ce qui fait qu'à chaque décès, on peut presque toujours en tirer une leçon. Et ce sont les nombreuses morts qui nous font devenir un meilleur joueur. Et à ce sujet, on veut toujours réessayer pour se rendre plus loin que la fois précédente. Je vais vous le dire très sincèrement, Rogue Legacy est incroyablement addictif. Je vous aurais donc prévenu. Rogue Legacy peut être téléchargé pour 15$ sur Steam et c'est possible d'y jouer avec une manette, ce que je vous recommande fortement. Dès maintenant, venez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Si vous avez des questions concernant Rogue Legacy, vous pouvez me les poser dans la section commentaires et ça me fera plaisir d'y répondre. Au plaisir de vous retrouver sur ces différentes plateformes.